centre-ville au quartier, des campagnes aux bourgades, l'idée du bien habillé fait son travail en brigade. On ne porte que de la marque qu'on arbore fièrement. On croit même qu'on se démarque alors qu'on vit conformément au modèle d'une vie sans autre chose que du futile qui engraisse les puissants. Ceux qui imposent leur style, qu'est-ce que l'on peut bien prouver? En Lévis et en Lacoste, moi j'arpente le pavé. Avec un pull Lacoste, ça donne de quoi discuter. Plutôt que de parler du ciel, une voix, une facilité. Face au vide existentiel, bonjour moi c'est Calvin Klein. Enchanté moi c'est champion, et à part ça tout va bien. On est tous les mêmes pions, certains pions n'ont pas l'argent pour faire comme les vrais bourgeois, accéder au bonheur marchand. Qui procure autant de joie, se sert directement. Et les vitrines explosent, c'est plus drôle assurément. Mais c'est quand même le respect de la clause qui dirige la population dans des ambitions faussées, la plonge dans l'obsession de ne jamais être dépassé. Sacro-sainte nouveauté que la religion des marchands doit sans cesse réinventer pour que l'on ne devienne pas méchant. Que n'y ait que la mode comme facteur d'identité, que tous nos gestes, tous nos codes, ce que l'on possède soit limité. C'est une pieuse mission, acheter doit devenir un réflexe, ou alors c'est l'exclusion. Tu seras mis à l'index. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son. Pour que tu consommes, c'est un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son. Pour que tu consommes, si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Ce ne sont plus les nouveaux vêtements, mais la nouvelle voiture. Il te faut te renouveler, renouveler ta pâture, car ta personnalité se trouve dans l'armature de ton signe de pouvoir, aux quatre jantes chromées de ton bel objet de foire. Que jalouseront les paumés, à force de consommer frénétiquement. On finit par transformer jusqu'à l'amour les sentiments. Quand tu me parles, tu m'ennuies, je te zappe avec mon portable. Mes amis sont des produits, des bandes de mes humeurs instables. On consomme du relationnel, chaque bonheur est biaisé, même les plaisirs charnels doivent être rentabilisés. Il est là l'homme nouveau, l'homme unidimensionnel, qui se sert de son cerveau comme du dernier logiciel. Il a pour seule ambition de posséder du bien matériel, seul facteur d'intégration, mode de vie officiel. L'homme du troisième millénaire sera le consommateur, frustré, envieux, actionnaire. Un con, un son, un mateur. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son. Et pour que tu consommes, si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son. Pour que tu consommes, si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme.